Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un unboxing, haul Berger de France. Comme je vous avais parlé, il me manquait une commande, il y avait une qui n'était pas encore arrivée. La voici arrivée ce matin, donc un jour près, voilà, elle est arrivée. Donc c'est celle que je vous parlais, donc ça c'est une toute petite commande. Pour faire le gilet de ma petite fille, je vous rappelais, je vous ai dit qu'elle voulait que je lui fasse un petit gilet court sous les lolos. J'ai toujours pas trouvé le nom, comment ça s'appelait ces gilets-là, mais bon, c'est pas grave. Donc elle veut un gilet comme ça. J'ai choisi donc avec elle la couleur. À la base, elle voulait du bleu layette. Comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, moi je voulais lui faire, et elle voulait aussi, dans la couleur du modèle. À la base, c'est un modèle Plassard. Et sa maman, donc ma belle-fille, a dit non, 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 non. C'est trop, c'est pas elle qui paye, c'est moi, mais bon, elle a quand même dit non, non, c'est trop cher. Là, le modèle allait revenir à plus de 65 euros. Elle a dit non, je veux pas que tu payes autant pour faire un gilet. Donc, on va faut trouver de la laine moins chère, c'est aussi bien. Voilà. Donc, après de multiples recherches. Pendant de longues minutes et plusieurs heures, parce que ça a quand même duré plusieurs heures, j'ai enfin trouvé de la laine. Parce que quand c'est ça, quand on prend le modèle d'une autre marque, après il faut que ça fonctionne niveau laine, niveau l'échantillon, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Et donc sur Berger de France, j'ai trouvé mon bonheur. Mais par contre, je ne l'ai pas trouvé en bleu layette. Je lui ai montré les coloris qu'il y avait et elle m'a choisi cette couleur-là. Pas salissant. Non, non, non. Pour aller au collège, c'est nickel. Donc, c'est la Bergère de France. Alors, c'est la Sport Plus couleur crème. Voilà. Alors, celle-ci se tricote avec des aiguilles 5. Alors, le modèle, normalement, se fait en 5,5. Bon, 5, 5,5, il n'y a pas de grande différence, ça va aller. L'échantillon, de toute façon, avec celle-ci, c'est kiff-kiff. Avec l'aiguille 5,5, donc ça va aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est de la laine à 50% et 50% d'acrylique. Voilà. Elle est douce. Elle n'a pas l'air de gratter. C'est le principal. Bon, là, de toute façon, c'est un gilet, donc elle ne va pas le mettre à même la peau. Mais alors, c'est des 50 grammes par 80 mètres. En sachant que la laine Plassard, c'était des 110 mètres. Donc, il fallait que 5 pelotes pour la Plassard. Et comme moi, les manches, c'est des manches 3 quarts sur le modèle. Et moi, je voulais faire des longues manches, puisqu'elle veut des longues manches. J'ai donc pris, pas 5 pelotes, mais j'en ai pris... attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. J'en ai pris 12. Comme ça, j'ai dit, je suis sûre d'être d'accord. Je préfère qu'il m'en reste plus. Je ferai autre chose avec que de tomber en panne. Donc, de 5 pelotes, j'en ai pris 12. J'aurai assez. Donc, voilà. J'ai pris ces petites pelotes. Et... voilà le reste. Et donc, c'est un gilet qui se ferme avec des boutons.
Donc, je lui ai fait choisir plusieurs boutons. Et donc, il y avait des boutons plats, beige, blanc cassé, comme celui-là. Et il y avait ceci. Et je sais pas, j'étais sûre qu'elle allait choisir ceci, malgré que c'est pas des boutons qui sont faits pour son âge. Mais j'ai dit, oui, c'est cela qu'elle va choisir, j'en suis sûre. Donc voilà les boutons qu'elle a choisis. Voilà, ça fait des petites fleurs, alors dorées, avec, je vais essayer de vous montrer mieux comme ça peut-être, voilà. Ça fait pas c'est pas des boutons de jeune fille de 14 ans quand même, mais elle a voulu cela. Donc, avec la laine, de toute façon, ça va le faire, hein, regardez. Ils vont être très beaux, hein, sans le gilet. Donc voilà. C'est la taille qu'il fallait, de toute façon. Il fallait du 22 mm. C'est du 22 mm. Donc, voilà. Donc, ils appellent ça des boutons bijoux. Donc, il m'en restera un. Il en faut 4. Donc, il en restera un que je donnerai à sa maman au cas où elle en perdrait un. On ne sait jamais. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et j'ai eu encore, le catalogue capsule gratuit. Donc, ce que je ferai, je vais le donner à l'une d'entre vous. Alors là, on ne va pas faire un concours hein, pour un si petit... catalogue. Donc je vous rappelle que c'est alors collection capsule. Donc c'est fait avec les laines bergères de France. Hein, il y a plusieurs modèles dedans. Il y en a 9. C'est pas énorme. Là, donc je vous remontre. Voilà. Donc la première. Je dis bien la première. Donc, moi, je le verrai hein, avec les horaires sur les commentaires. La première qui me dit, est-ce que je peux avoir le livret capsule je lui enverrai, voilà. M'envoyez pas un email ni rien, hein, je ferai sur les commentaires. Ça ira mieux pour moi voir qui est la première. Donc dans les commentaires, la première qui m'envoie un message en me disant est-ce que je serais intéressée pour avoir le livret capsule, je lui enverrai. Voilà. Hop. Donc voilà. Bon là il n'y a pas de bouquin, j'en ai pas acheté à Bergère. Alors là par contre je suis un petit peu en colère pour Bergère de France. Parce que je voulais profiter du Black Friday une dernière fois. Et ah, je vous ai pas dit le prix de la laine, excusez-moi. Prix unitaire 2,94. Ouais, 2,94, prix unitaire. Du coup, je ne l'ai pas pris pendant le Black Friday. Parce que là, ça a mis 10 jours pour arriver. Hein. Mais bon. Ouais, je suis un petit peu en colère contre Bergère de France. Bon, ce matin, je leur ai téléphoné pour demander où était mon colis, puisque j'avais eu l'autre hier. Elle me fait, votre facteur là, avec lui. Ah, je dis, bon, c'est bon, alors il va me le déposer ce matin. En même temps, j'aimerais bien, parce que j'ai pas reçu, avoir, vous savez, le petit catalogue avec les échantillons de laine. Elle me fait, dit, on vous l'enverra d'ici 15 jours, 3 semaines. Je fais, ouais, c'est pas urgent, hein, mais d'accord. Et hier, je voulais repasser une commande sur le Black Friday, puisque c'était, il y avait des 70%, 60%, 50%. Pour un petit pull pour moi et puis un gilet.
Et il n'y en avait pas pour beaucoup, hein. Il y avait quoi, pour les deux modèles, plus un bouquin, je crois, il y en avait quoi, pour 40 euros. Mais j'aime bien passer par PayPal, parce que PayPal, je peux payer en 4 fois, donc moi, je suis tranquille, voilà. Hier soir, pas de PayPal. Je vois pas la fonction PayPal. Je réessaye 1 heure plus tard, je dis, il y a peut-être un bug. Toujours pas de PayPal, je réessaye encore 1 heure plus tard, pas de PayPal. Mince. Du coup, je mets un mot sur le groupe. Bon, les filles n'ont pas l'air de s'en être aperçues. Et donc, ce matin, je réessaye, toujours pas de PayPal. Donc là, je téléphone après avoir été faire mon IRM. Elle me fait, oui, on l'a désactivé parce qu'on est en train de faire des mises à jour sur le site. En plein Black Friday, ils désactivent le PayPal. Ils sont. Alors je lui dis, mais je fais comment pour passer ma commande? Elle fait, ben, il y a la carte bleue. Ben, je fais, non. Je me sers pas de ma carte bleue sur votre site. Moi, c'est PayPal. Je fais, ça va être remis quand? Ben, je sais pas. Ben voilà. Donc là, je vais. Il y a encore. Une journée, c'est jusqu'au 28 minuit, hein. Mais comme c'est dimanche demain, voilà, hein, on a compris. Ben, voilà, je ne peux pas passer ma commande pendant le Black Friday. Ouais, vous me direz, je peux le faire avec ma carte bleue, mais carte bleue, je vais payer en une fois. Mais je ne veux pas payer en une fois, je veux payer en 4 fois. Voilà, comme ça, c'est petit. Et. Alors elle fait, ben non, elle dit, on l'a désactivé pendant les mises à jour. Mais où ils ont vu d'aller faire une mise à jour de site pendant un Black Friday? Mais où ils ont vu ça? Enfin, bon, et ben j'ai dit, ben tant pis, vous n'aurez pas ma commande. J'irai acheter chez Fildar. Fildar, bon, le PayPal, il fonctionne. Voilà. Et Fildar, je l'ai en 2 jours. Non, mais bon, Bergère de France se plaignent qu'ils ont eu plein de problèmes, ils étaient au bord du dépôt de bilan, tout ça. Mais bon, il faut aussi faire les choses bien pour que les clients puissent commander. Ah non, ils ont perdu une commande. Voilà. Tant pis! Tant pis, tant pis, tant pis. Bon. C'était mon petit coup de gueule. Non, mais bon, c'est vrai. Non, je pense que vous devez penser comme moi là. C'est pas logique de désactiver un PayPal pendant un Black Friday. C'est le moment où les gens commandent le plus. C'est là où il y a le plus de clients. Sur un site. Il y a plein, 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 plein de personnes qui se servent du PayPal parce qu'ils ont peur de mettre leur numéro de carte bleue sur un site. Alors, pourquoi désactiver ça pendant le Black Friday? Alors que ça dure quoi? 2, 3 jours seulement. Ils ne pouvaient pas attendre lundi pour faire leur mise à jour? Non. Mais bon. Enfin, on va pas ça. On va pas s'énerver, hein, c'est week-end. Bon, j'ai quand même, j'ai ce qu'il me faut, hein. Mais c'est parce que je voulais avoir ces deux pour cette ligne-là, pour la garder de côté. Bon, je l'aurais pas, c'est pas pour tout de suite, mais au moins je l'avais à un bon prix pour plus tard le faire. Mais tant pis. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant. Faut aller se mettre au boulot. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et vous, je veux voir des poupous et vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, de mes petits achats. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à bientôt, bisous bisous et bon week-end à tous. Si la vidéo est encore là pendant le week-end. Si j'ai réussi à la monter avant la fin du week-end. Allez, bisous!